Bon, ben, j'ai changé de véhicule. Je suis rendu au sac de la compagnie. J'ai traîné mon chien puis ma blonde. Ben oui. Là, on est au Nouveau-Brunswick. On est arrivé hier à Mistassini, c'est ça, Adèle? En tout cas, en quelque part par là. Puis là, on pensait se faire un beau petit setup tranquille, là, se faire une sandwich sur le bord de la plage un matin. Puis là, c'est un setup qui marche pas en tout, en nulle part. On y va par les voies officielles, on en regarde les petits parcs, les plages, partout, il y a du monde, là, des grosses maisons, on n'est pas capable de s'organiser. Et j'ai pas pris de café, ça va pas bien. Ça va pas bien. Fait que là, on essaie de s'aligner sur l'île du Prince-Édouard. Je sais pas comment de temps ça va nous prendre avec le temps qu'on a perdu pour on a longé un petit peu le bord pour essayer de se trouver une petite plage tranquille. Fait que je sais pas de combien de minutes ou d'heures qu'on s'est éloigné de notre destination du éventuellement le pont de la Confédération. Fait que là, on est arrêté au Tim Hortons, se ramasser un café, puis Adèle est en train de nous faire des bonnes petites sandwiches pour essayer de m'en mettre un sourire d'en face. Je ne sais pas si on va être capable. Ça, c'est à condition qu'on ait du plaisir à l'île du Prince-Édouard. Sinon, ça sera pas trop long, qu'on va se revirer de bord, puis on n'est pas loin là, de la Nouvelle-Écosse. Bon, on va continuer notre trip là. S'il faut qu'on fasse deux fois le Cap-Breton, on va le faire. Ben là, on est en théorie au pays de la patate puis du sable, puis à date on n'a pas vu grand sable. Ça fait que les patates, on irait manger ailleurs. Parce que là, c'est pas plaisant. On va vous en redonner des nouvelles un coup qu'on va être rendu sur le pont de la Confédération, vous dire c'est beau et grandiose. Puis après ça, sur l'île du Prince-Édouard, si on est capable de faire des petits setups un peu à la bonne franquette aussi, il faut qu'on paye partout. Parce que ici, dans les parcs provinciaux, faut que tu payes pour séjourner puis tu peux pas entraîner ton chien. Ça va pas bien. Franchement, là, un matin, j'ai pas de plaisir. Step one, it says a warrant outside. And the diner's name is California. D'amanchure des fois ces îles. C'était comme un genre de renard apprivoisé. Le monde, ils le nourrissent comme si c'était un chien. Ça, c'est une drôle d'amanchure. Ouais. Il est roux comme la terre. Hein? Il se confond au paysage. C'est peut-être ça qui se passe. Il sait pas où se mettre. Entre la mer et la pelouse, il est rouge comme la terre. En attendant que mon timelapse se passe, j'ai décidé de lire un petit livre. Ah ben, je me suis fait voler ma place par ma blonde. Ça a l'air que j'ai pas été assez vite. Trop curieux d'aller voir leur nord. Puis là, ben, je me fais voler ma place. Qui va à la chasse perd sa place. Ça va m'apprendre à galvauder et aller voir les animaux du cirque. Ouais, c'est la nature qui nous reprend. Faut pas faire ça. Faut pas encourager la nature sauvage de galvauder à travers nous autres. La place de ce petit renard-là, là, c'est plutôt dans le bois. Mais là, il sait plus où aller. Fait que rendu l'hiver arrivé, il va crever. Mais oui. Beau petit poème, un peu dur à entendre, mais c'est ça qui va se passer quand même. Fait que on en retourne à nos lectures en attendant l'heure qui passe pour le petit time-lapse du
pont de la Confédération rendu sur l'île du Prince-Édouard. Puis on va aller voir ce que je disais tout à l'heure, si les parcs nationaux sont payants, si on peut emmener nos chiens, qui vivra verra. Après avoir bien profité de la Playa del Sol, même s'il faisait pas tant soleil, je suis allé prendre une douche, service gratuit offert dans les parcs provinciaux, en tout cas celui qu'on a pu expérimenter aujourd'hui. Puis là, ben, Adèle est en train de checker un petit peu les activités qu'on va pouvoir faire sur l'île cette semaine. Je vais être bien curieux de voir le setup qu'elle va nous organiser, mais ça risque d'être intéressant. Puis moi, ben, tout à l'heure, j'en ai profité aussi pour checker un petit peu les sites de boondocking qu'on pourrait peut-être éventuellement expérimenter aussi, là, voir si c'est facile sur l'île ou pas, si les sites sont agréables. Fait que je pars là-dessus, je pense. Fait que je vous redonne des news là-dessus telle heure. Ciao! Ouais, ben ça n'a pas été une journée qui a viré pas en tout comme je pensais. On est parqué dans un camping qui est, en tout cas, qui se garde de commentaires, mais on y a été avec la facilité. Falloir peut-être que je lâche le scénario, ce que je pense que ça va se passer comme en Gaspésie ou la Nouvelle-Écosse. Je suis pas sûr que ça fait tant que ça mon affaire, mais on reste l'esprit ouvert, puis on espère que ça va quand même continuer à bien aller, parce qu'à date, il fait beau, il annonce un petit peu de pluie de même, mais on fait avec, tu sais, c'est ça quand on est dehors. Puis ben c'est ça, on garde l'esprit ouvert, on essaie de voir ce qui se passe autour, puis on essaie de trouver de l'agrément dans toute cette affaire-là quand même. Ça fait qu'on s'en rejase demain, puis on se redonne des news, juste savoir si c'est différent ou pas. Ça fait qu'on s'en revoit demain. Ciao!